Fait plutôt frisquet, surtout quand on a la fresh cut. Mais c'est le prix d'être frais. Parfois, il faut être froid. Bonjour à vous, mes chers abonnés. C'est Riyad, Rifton OFG, fresh cut man, Yang Calva. Il fait terriblement froid. Riyad, fais une petite vidéo dehors à l'aube. Ce sera mignon. J'avais déjà fait ça, mais c'était en 2015, après le bac. Et c'était en juin, le 24 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et il faisait bien chaud. L'herbe est gelée. Je sais pas combien de temps je vais tenir et j'ai même pas ma deuxième carte SD et la batterie est pas pleine, donc probablement pas longtemps. Je vais sûrement rentrer chez moi bientôt, mais j'adore l'ambiance. Alors croyez-le ou non, en vous basant sur mes yeux fatigués, mais j'adore me lever le matin. I guess tout le monde se lève le matin, mais j'adore me lever tôt le matin. C'est un kiff intergalactique pour moi de me lever tôt le matin. Le sentiment d'avoir le temps de faire ce qu'on a à faire sans se presser est incomparable. Je sais pas si vous ressentez la vibe autour de moi, mais elle est très très agréable. Il fait froid, mais on est bien, j'ai la couverture sur les cuisses là. Bienvenue dans cette pause OFG. Certains d'entre vous seront probablement nostalgiques, d'autres non. C'est un segment où je donne des news et je réponds à des questions. Est-ce que j'en fais une fois par an? Je crois, hein, la dernière que j'ai fait remonte à plus d'un an. J'étais dans les études et je suis toujours dans les études. Ma grand-mère disait, les études, c'est comme un tacos triple viande. Je vais commencer par les questions habituelles. Comment ça va la vie? Et quels sont les projets? J'ai les mains gelées. La vie! Je suis en bonne santé, je crois. Je suis encore dans mes études de santé. Et je suis assis ici dans ce parc. Santé. Je plaisante, j'en ai un ici. Yes. Alors, j'entame le deuxième semestre de ma quatrième année de pharmacie, ce qui fait que je suis à peu près à 58% de complétion de mes études. Encore 2 ans avant d'être docteur. Ça me fait toujours marrer la réaction qu'ont les gens quand je leur dis le nombre d'années qu'il me reste. Souvent la même. Ce genre, ouf, oh non, non, oh là là, moi je ne pourrais pas, oh là là. Mais bon, je peux comprendre ce point de vue. Wow, wow, les oiseaux ils se battent, arrêtez. Mais... Arrêtez! Même l'écureuil, il a dit arrêtez! Wesh, c'est la famille, c'est l'amour, ouais! Calmez-vous, wesh! Alors, donc, durant ces dernières années, ma régularité sur YouTube a été variable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'était en partie lié à la difficulté de l'année scolaire en cours, mais surtout à la situation de logement dans laquelle j'étais. Maintenant, le corbeau, il commence à s'y mettre! Il sépare! Oh, je suis chaud! Et National Geographic, c'est juste en bas de chez nous, hein, y a pas besoin d'aller en Australie. Alors cette année, je suis posé et stabilisé, mais les quelques années précédentes ont été quelque peu rocailleuses. Chaque année depuis le bac, j'ai eu un logement différent. J'ai eu une coloc en PACES avec des gens que je ne connaissais pas. À ma deuxième PACES, j'ai été gardien d'une maison de retraite pendant 1 an. Puis une année dans une résidence Crous qui était pas mal. J'étais bien posé et durant cette année, j'ai réussi à poster des vidéos. Malheureusement, pour des raisons financières, j'ai pas pu renouveler ce logement. Financièrement, ça n'allait pas trop et j'ai dû passer dans une résidence Crous moins bien. 9 mètres carrés qui ont des cuisines et des salles de bain communes, des toilettes communes. Ce concept en lui-même n'est pas si terrible, mais la résidence était très vieille. Le bâtiment était miteux, il y avait des problèmes de cafards et de punaises de lit que je n'ai pas eu par chance, mais quand même. Même avec l'absence de toilettes, le point le plus embêtant pour moi, c'était de ne pas avoir de coin cuisine. Je voulais pas aller dans la cuisine commune parce que c'était sale et mon bureau et ma chaise étaient très inconfortables. Du coup, assez souvent, je me retrouvais à manger des pâtes assis par terre. Je regarde pas un si mauvais souvenir que ça. C'est la street, hein. En vrai, je me plaignais pas tant que ça. Quand je disais ma situation de logement aux gens, ils avaient la même réaction que quand je leur disais le nombre d'années d'études qu'il me reste. Ouf. Oh non, non, oh là là, moi je ne pourrais pas, oh là là. On me disait des trucs du style, bah dis donc, il t'en faut peu. Je le prenais un peu mal, parce que je trouve que c'est pas vrai. C'est pas parce que j'arrive à me contenter qu'il m'en faut peu. Non, c'est pas pareil. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à être difficile dans une situation où il n'y a pas le contrôle. Et la vérité, avant tout, moi je suis toujours genre reconnaissant d'être en bonne santé, d'avoir un lieu chauffé où dormir, d'avoir une bourse de l'État, des études gratuites. Et genre, je dis pas ça pour me rassurer, parce que la situation est pas facile. Je le pense vraiment honnêtement, genre prenons un peu de recul. Partout dans le reste du monde, c'est la merde. Prenons encore plus de recul. Louis C.K. il disait que des années-lumière autour de la Terre, c'est de la merde. Mais zoom sur la Terre, le seul endroit où ma maman peut me faire ma kessra. Magnifique, j'adore la vie, j'adore... Je tiens à le préciser, j'adore la vie. Enfin, même avec du recul, cette situation de logement un peu difficile affectait mon énergie créative qui était plutôt basse pendant cette année. Je n'ai sorti que 2 vidéos avec une caméra empruntée, alors que l'année d'avant où j'avais une situation plutôt stable, j'ai sorti 12 ou 13 vidéos, toujours avec une caméra empruntée, mais... Et la fac n'était pas de tout repos non plus, donc arrivé à la fin de cette année, j'étais juste épuisé. Épuisé de dépendre financièrement de mes amis, dépendre financièrement de mes parents, de prendre sur moi, de ne rien créer. Arrivé à l'été, je me suis dit,
C'est fini, terminé, Narvalo. Je ne pars pas en vacances. Je ne mérite pas. Je travaille tout l'été. Je stabilise ma situation. Donc j'ai pris un job en pharmacie à temps plein et j'ai pris tous les remplacements possibles. Mon été 2019, c'était plus ou moins des allers-retours entre mon 9 mètres carrés et la pharmacie. Et j'ai fait un burn-out qu'à la toute fin de l'été, ce qui est pas mal. J'ai pu changer mon logement, toujours pour un truc du coup. J'ai retrouvé le sens du toucher dans mes mains. Où en étais-je? Du coup, j'ai pu changer de logement. Encore pour un truc du Crous, mais beaucoup plus grand. Le bâtiment est beaucoup plus récent, beaucoup plus propre. J'ai équipé mon appart, j'ai payé mes dettes, j'ai acheté du matos. Et maintenant, je suis posé. C'est pour ça que j'ai pu poster ces derniers temps. Je travaille toujours à temps partiel à la pharmacie. J'ai la fac aussi. J'essaie de garder une activité sportive et des activités créatives. Donc, j'ai beaucoup dans mon assiette. Mais l'année du 9 mètres carrés m'a mis une baffe. Je veux travailler autant que je peux. Et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour n'avoir à ne rien sacrifier. 2020, on travaille dur. Honnêtement, je pense que j'aurais dû prendre un emploi il y a longtemps. J'ai besoin d'un cadre, sinon je m'éparpille. On pourrait croire que vu que j'ai d'autres activités, il n'y a pas de temps pour YouTube, mais au contraire, le fait que j'ai d'autres activités, ça augmente la valeur du temps que j'ai. Si j'avais tout le temps dont j'ai besoin, je me prélasserais et j'étendrais mes activités. Mais j'ai pas tout le temps dont j'ai besoin. J'ai juste quelques heures ici et là, et du coup, la valeur du temps augmente. Quand j'arrive à avoir ces quelques heures ici et là, bah, je fais tout pour ne pas les gâcher. Et puis, je perds clairement pas mon temps à la pharmacie. J'ai appris énormément de choses cet été. J'ai enfin l'impression d'être utile et que mes connaissances de la fac servent à quelque chose. Ça a précisé mon projet professionnel et j'ai généré beaucoup plus d'argent en quelques mois qu'en 10 ans sur YouTube. Et YouTube est de moins en moins viable financièrement. Les YouTubeurs sont plus payés par NordVPN, Audible et compagnie, et y a rien de mal là-dedans. Mais à moins de percer super fort dans YouTube, avoir un plan B, c'est incontournable, c'est indispensable. Je m'adresse tout particulièrement aux très jeunes qui pourraient regarder cette vidéo. Vivre de son art, c'est très très compliqué. Percer n'est évidemment pas garanti. Et même ceux qui en sont capables n'y arrivent pas forcément. Parce qu'il y a un facteur chance, il y a un facteur pistonnage. Par un concours de circonstances, peut-être qu'on peut manquer une opportunité ou n'importe quelle autre raison. Et on vit dans un monde rude et compétitif. Voir des gens réussir, c'est inspirant. Mais on a trop tendance à ignorer la majorité qui a échoué. Et donc on ne se prépare pas correctement. C'est pour ça que je me suis pas jeté dans YouTube directement après le bac, même si j'en avais terriblement envie. Parfois, je me demande où je serais aujourd'hui, si j'avais pris une année pour faire que YouTube directement après le bac. Mais bon, avec des si, on refait le monde. Avec des Uzi, on arrose tout le monde. Les études, c'est très important pour moi. C'est très important pour ma famille. Je suis coupé. Voilà, c'est mieux. Peut-être que je prendrai cette année après le doctorat. Comme a dit le Kenny de l'Ouest, maman m'a dit « Va à l'école, chope ton doctorat. Quelque chose sur lequel tu puisses te reposer. » Quelque chose dont tu puisses tirer profit. Mais elle me soutenait même quand je faisais l'inverse. Ignorer la fin. On n'est pas tous Kenny de l'Ouest, malheureusement. Ou heureusement. Évidemment, je ne dis pas de ne pas suivre ses rêves, mais il faut être préparé à tout. Pas forcément avoir des études en plan B, mais avoir un plan B. De l'argent de côté, des contacts, une idée, une source de revenus. Ou même genre des connaissances en champignons et savoir traire une chèvre si t'as envie de te retirer dans la forêt. Mais quelque chose. Avant, Alpha One disait « Le rap doit assurer nos rentes, rassurer nos remparts, car on n'a pas de plan B. » Planqué dans l'ombre, nombreux sont ceux qui veulent me voir me planter. Mais aujourd'hui, il dit, c'est pas l'heure de glander, faut un vrai but. Si, si. Prépare le plan B pour les imprévus. Si, si. Est-ce que vous voyez le caractère développement? On est passé du plan A, Alpha, One, au plan B, Beta, 2. Si t'as un plan B, ça veut dire que t'as peur de pas réussir ton plan A. Ça veut dire que t'es pas un combattant, t'es pas un lion, t'es pas un fighter. Regardez, vous voyez la vie? Il y a un film de Michael Bay. Est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Même avec 10 millions d'abonnés, faut prévoir pour le futur, quand t'auras 40 ans, 50 ans, si on vit jusque-là. Et qu'il n'y a pas de troisième guerre mondiale. N'empêche, vivre de son art, ça doit être un sentiment. Genre, tu crées quelque chose que t'as kiffé faire et on te donne des pépettes. Can't relate! Et juste en vivre, quoi. Même pas forcément avoir des millions d'abonnés. Je pense que l'aspect financier est plus important que la célébrité. Est-ce qu'on peut parler de ça? Il y a une rumeur qui dit que les Français, ils n'aiment pas parler d'argent, mais je vous fais confiance. Comme a dit Van Damme, j'adore l'eau, mais aussi... Michael Jackson, on en parle plus. L'argent est intéressant, faut pas avoir peur d'être riche. J'aimerais bien être connu, célèbre, mais je dis juste que si j'avais un choix entre une grande célébrité ou une grande fortune, je prendrais très probablement une grande fortune. L'argent, c'est le pouvoir de faire du vrai changement dans la sphère de tes proches. Essayer de mettre un maximum de ressources de côté. Je pense que c'est le plus important, enfin du moins pour moi. Pour acheter un nouveau canapé au daron. J'ai dit un nouveau canapé, je voulais dire une nouvelle caisse. J'ai dit une nouvelle caisse, je voulais dire une nouvelle mèze. J'ai dit une nouvelle mèze, je voulais... Ah, je me suis mordu la langue. Ah.
On va commencer par un canapé. Grosso modo, je suis content de ma situation actuelle. J'ai un filet de sécurité assez confortable. Donc je vais faire YouTube et mes créations comme je l'entends. Et si ça marche pas, bah au pire, j'irai me faire foutre. Voilà, vous êtes content? Ok, ok. Pour ce qui est de mes projets, numéro 1, faire plus de vidéos éducatives, marrantes, apprendre c'est cool, comme celle sur l'acné, mais peut-être juste un petit peu me calmer au niveau du montage et de la durée, parce que 20 minutes avec toutes les petites animations là à chaque seconde, ça m'a pris presque un mois en pleine période de révision, j'ai cru que j'allais péter un câble. J'ai dû supprimer plein de blagues et de trucs que je voulais faire en montage parce que j'avais pas le temps. Mais bon, je suis quand même très content de cette vidéo. Numéro 2, refaire quelques vidéos sur mon cursus, poursuivre l'arc, character development, hero's journey. Numéro 3, je pense que je vais arrêter les vidéos des tréfonds, du moins de JVC. Si je fais d'autres tréfonds, ce sera forcément sur autre chose. C'est pas à cause du backlash, c'est juste que je veux des trucs plus intéressants à lire parce que les 4 épisodes que j'ai fait dans les tréfonds se ressemblent beaucoup. Et je trouve que l'humour a perdu de son impact. Je pense que personne n'est au-dessus de ricaner ou au moins sourire à de l'humour un peu immature, voire très immature. Mais bon, après 4 vidéos, c'est battre un cheval mort, comme disent les États-Unis. Néanmoins, j'aime beaucoup faire de la narration et des voix rigolotes, donc je trouverai d'autres moyens d'en faire. Numéro 4, enfin, oser sortir de la musique faite par moi en dehors d'un contexte humoristique. Le peu de musique que j'ai montré publiquement, je l'ai toujours enrobé d'une couche de sarcasme ou d'humour parce que de 1, ça me fait rire, donc je vais continuer de faire ça, mais aussi de 2, j'ose pas le prendre au sérieux en fait. Globalement, je pense que la plupart du temps, j'arrive à m'en battre les steaks de ce que les gens pensent de moi sur pas mal de choses. Mon physique, mes vêtements, mon humour, mon niveau de culture, y compris mes vidéos, même si je déteste qu'on les regarde à côté de moi, c'est arrivé de plus en plus ces dernières années et en particulier à la fac. C'est pas que j'assume pas mes vidéos, mais genre, c'est gênant comme situation quand tu me regardes moi sur un petit écran, je suis à côté de toi. Ah, arrête! Regarde quand t'es aux toilettes, comme tout le monde! Pour la musique, j'ai plus de mal, mais ça viendra. Numéro 5, merch! Numéro 6, faire plus de premières. J'en ai fait une et c'était vraiment des bonnes barres. Ça m'a rappelé à quel point j'ai envie de streamer. Oh mon dieu! Numéro 7! Non, ça fait trop longtemps que je dis ça. Dans chacune de mes vidéos, il y a le lien de mon Twitch et cette page est vide. Vide car je n'ai jamais réglé mon problème de connexion. C'est en suspens. Et pour ce qui est de mes projets par rapport à mes études, j'ai choisi la filière industrie, donc je vais travailler en industrie pharmaceutique. Passons aux questions. Depuis combien de temps vas-tu à la salle? Quels sont tes perfs et tes objectifs? Je ne vais pas à la salle, je suis né ainsi. Je ne vous raconte pas à l'accouchement. Non, j'y vais depuis un petit peu plus de 2 ans. Ton artiste musical préféré? Picasso. C'est le Kenny de l'Ouest. Et voilà mon top 5. Vas-tu faire une vidéo sur la calvitie comme celle sur l'acné? Mon pote Ner m'avait déjà fait la suggestion, peut-être parce que lui aussi est en proie à la chauverie. C'est une bonne idée que je considère. Il resterait pas des petits courts-métrages que tu nous aurais pas montrés, genre La Mallette 3 par exemple? Si on n'a pas, ce serait énorme d'en refaire un. Alors j'ai jamais réussi à ouvrir le deuxième disque dur dont je parlais dans cette vidéo, mais très récemment, genre très récemment, j'ai pensé à de nouvelles idées, de nouvelles façons de comment je pourrais l'ouvrir et comment récupérer les données. Donc je vais réessayer. Et en attendant, je crois que je vous avais pas montré Plata Soccer, un match de foot où on a des super pouvoirs et le monde de l'imagination, un monde où on peut faire tout ce qu'on veut. C'était pas très intéressant. Haha, ça fait longtemps, pause OFG, j'ai pas raison, sinon c'est quand Broken Age, bruh. Fais corps parti, on t'a dit là. Quelle est la pire connerie que tu aies faite en labo, avec des détails? Je suis maladroit en labo, et c'est peu dire. Certains de mes comptes rendus ont été des travaux de fiction. J'ai inventé les résultats. C'est vraiment une bonne question, et j'aimerais avoir une anecdote sous la main, mais globalement, je fais beaucoup de conneries, mais j'ai pas fait de catastrophe non plus. Surtout que les laboratoires de la fac, ils sont genre des machines, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. On se tient bien. J'ai jamais eu à utiliser la douche d'urgence, mais j'ai toujours voulu l'activer. Quand un autre feat avec Théodore Babacus? Le truc, c'est que moi, je suis à Lyon et que Théo, Thomas, Benoît et Nolan sont tous à Paris. Donc, on ne fait pas autant de featuring qu'on aimerait. On en fera plus quand la grève se calmera, parce que là, j'ai pas trop envie de monter là-haut. D'où te viennent tes incroyables inspirations cosmiques pour tes montages, spécialement les photos? Bah, merci. Bah, je sais pas, c'est juste, j'adore les photos stock. Elles dégagent une énergie, une aura incroyable. Et je passe beaucoup de temps à chercher la bonne photo. Assez souvent, je dois en combiner plusieurs, ce qui prend du temps au montage parce qu'elles restent à l'écran genre 2 secondes, mais ça vaut toujours le coup. Par exemple, pour le Topic, j'ai acheté 40 antivols sur AliExpress et je les mets sur des vélos au hasard pour regarder les gens courir au boulot. Cette photo-là est mon plus grand chef-d'œuvre. Ah là là, Riyad, ton Twitch me semble bien. Oui ! Une rencontre abonnée à Paris numéro 2 un jour ou bien? Je sais pas si j'ai envie d'organiser de nouvelles rencontres en dehors du cadre des conventions. J'ai pas envie d'être l'activité principale. En convention, on se croise, on se check.
puis vous avez le reste de la journée, et c'est très bien. Actuellement, j'ai aucune convention de prévu, et à Japan Expo avec leur billet à 1000 euros là. Mais je vous tiens au jus si jamais Instagram, Twitter, pas Snapchat, parce que c'est de la merde, je le dis, je le répète. Riyad, est-ce que Rumba est une charmante bourgade selon toi? Charmant, riche de culture, d'une beauté sans pareil, et foyer de personnes incroyables. Ça fait 7 ans que je regarde tes vidéos, et j'ai jamais osé participer à une pause OFG. Du coup, c'est quoi ton village préféré de la région lyonnaise? Merci de me suivre depuis aussi longtemps. Mon village préféré de la région lyonnaise, Batara 6970. Tue quelqu'un juste pour rire. Ok. Raconte le pire truc que t'as vu en stage à l'hosto, de l'émotion, du drame et une sous-intrigue amoureuse. Et un dinosaure dans le montage. Bon courage. J'ai pas encore fait mon stage à l'hosto, c'est en 5e année. Mais je me suis occupé des petits vieux pendant un an. Que dis-je, des seniors, Riyad, du respect, les personnes âgées. On m'a déjà pointé un fusil dessus une fois, mais c'est une histoire que j'ai déjà racontée dans ces deux vidéos très clickbaiteuses. Sinon, il y a une autre histoire beaucoup moins intense que ce qu'on peut voir à l'hosto. J'ai reçu un bip à 3h du matin. Je ne connaissais pas ce numéro d'appartement, donc j'y vais d'un pas déterminé. Je tape à la porte. Je tremblais de façon incontrôlable. La sueur m'empêchait de saisir la poignée, mais la porte s'est ouverte elle-même. Que m'apprêtais-je à voir? Quelle infamie allait surgir de l'obscurité? Un dinosaure! Non, c'était une petite dame qui m'a demandé d'inspecter son caca. Voilà. Elle pensait qu'elle avait perdu un truc qu'on lui avait mis chirurgicalement dans l'intestin, mais il n'y avait rien. Et au passage, j'ai jamais rien senti d'aussi mauvais, c'était incroyable. C'était pas juste de l'odeur de caca. Oh non, ça aurait été mieux, j'aurais préféré. C'était du caca sous stéroïde, vinaigré, insupportable. 30 minutes après de rentrer dans ma chambre, j'avais toujours cette odeur qui englobait mon nez. Et en plus, elle m'a fait tarder devant les WC, parce que moi, j'essayais de partir, mais elle persistait. Mais son caca, il faisait cette taille. Il n'y avait rien. Elle m'a empêché de sortir. Je me suis énervé tout seul. Passe une bonne journée et n'oubliez pas de boire de l'eau régulièrement. J'aime ce genre de message, merci. À la tienne, hydratons-nous. Tu veux pas recommencer Smosh France, BG? Non, mais est-ce qu'on peut s'arrêter juste un instant sur le fait que le concept même de la chaîne Smosh France est devenu terriblement obsolète? Dans une ère où tu peux soumettre ton fichier sous-titre directement à la vidéo originale, on est dans le futur. Mais ce concept est resté dans le passé. Pour ce qui est de Smosh en lui-même, déjà au moment où j'avais arrêté, c'était il y a 7 ans maintenant. Oh là 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 là. Déjà au moment où j'avais arrêté, j'étais de moins en moins fan du duo, genre ça me faisait plus rire. Mais maintenant Smosh, ça existe plus quoi. Ian, c'est toujours mon préféré, je l'aime beaucoup. Le collectif en lui-même, je respecte, mais bon, faut être honnête, c'est une carcasse de ce que c'était avant. Invente une Jojo pose et on la refait tous. Échauffez vos muscles. Aïe 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 aïe. Ça te tente de faire des albums review et des analyses où tu critiques des œuvres? Alors, je sais pas si je suis capable de faire des analyses musicales pertinentes. Et je sais pas même si je peux faire des reviews sur d'autres domaines que la science. Donc non, c'est pas dans mes plans, mais je peux faire une tier list de mes céréales préférées. Ça t'arrive de check tes vieilles vidéos, combien sur l'échelle du cringe? Certes, c'est cringe, mais c'est du bon cringe. Les vieilles vidéos, c'est les meilleures. C'est tellement mauvais. Mais j'en garde un très bon souvenir. Je pense que si j'avais pas évolué en tant que personne depuis cette époque-là, ou si j'étais mécontent de ce que je suis aujourd'hui, j'aurais plus de mal à regarder dans le passé, mais c'est pas le cas. I love myself, I would fuck myself, I do everything that I do to please myself. Est-ce que t'as un petit kiff du moment? Mon petit kiff du moment, c'est de jouer à Earthbound. J'ai fait Mother 1 il y a genre 2 ans. D'un point de vue technique, j'ai trouvé ça absolument à chier et je trouve que ça a terriblement mal vieilli et je... Oh mon dieu, je suis en train de faire des reviews. Ok Benoît, tu m'as eu. Félicitations, t'es content. Bien joué. C'est difficile à jouer, mais je suis quand même allé jusqu'au bout pour les dialogues du jeu. Sérieusement, c'est incroyable. Genre, j'entre dans une zone, je parle à tous les PNJ et il y en aura forcément un ou deux qui vont me faire sourire ou même éclater de rire. Par moments, ce qu'ils disent, c'est tellement pur et innocent et drôle, j'adore. Et en bonus, la musique du jeu est incroyable. On a eu des adaptations de DBZ. Pourrait-on avoir une adaptation d'une scène de Death Note? Écoutez, je pense que j'ai évolué. Je pense être au-dessus de cet humour et je pense que... J'ai déjà préparé les 3 semaines à venir en remplissant le Death Note à l'avance. J'ai déjà montré à elle que Kira pouvait contrôler l'heure de la mort de ses victimes. Donc ce soir, il faut que je tue des criminels dont on commence tout juste à parler. Des gens sur lesquels je suis censé n'avoir aucune information. Misère, je suis en manque. Tu vas voir ce que tu vas voir, elle.
Grâce à ce que m'a dit Ryuk et aux informations que j'ai trouvées dans mes livres, j'ai l'air de réviser sagement mes examens comme un élève consciencieux, tout en me tenant informé sur les nouveaux criminels, et je les élimine avec le Death Note. De la main droite, je résous une équation, et de la main gauche, j'ai écrit un nom. Puis je prends une 3D fromage de Benenuts et je la graille. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette pause OFG. Ça me fait plaisir que vous venez prendre des nouvelles, genre waouh, c'est touchant. Suivez-moi sur Insta, c'est sympatoche, on tape la discute là-bas. Insta et Twitter, mais ce qu'on a dit, Snapchat c'est... Ok, bien, à la prochaine et d'ici là, soyez sages. Bitch.